Alors, ce que je ressens maintenant, c'est qu'on a travaillé, on a énormément travaillé pour ce résultat. On a pris les choses en main, on s'est documenté, on a beaucoup lu, on a milité, que ce soit dans la rue, avec les porte-à-porte, avec le tractage. Moi aussi, moi par exemple, à ma fac, dans la fac, j'ai étudié les questions féministes, décoloniales, etc. Et ce que Mélenchon il a fait là, ça ne dépend pas d'un résultat. Vous voyez, on est là, on est jeunes, on a le monde pour nous. Et vraiment, en fait, nous on s'en fiche des résultats là, c'est incroyable. Mais évidemment que c'est une victoire, on est passé de 17 à 170, on a fait quoi 10? Tu prends Adrien Quatennens et tu en fais 170 et au bas bon, hein. Non mais bien sûr qu'on a gagné. En plus, faut savoir, nous on est tendu bien. Donc personne veut nous. Eh ben, on a quand même fait le tiers du camembert. C'est énorme. Donc voilà. Et on vraiment le média, restez avec nous parce qu'on continue à militer tous les jours dans ce pays ingouvernable là. On continue jusqu'en 2027 et t'inquiète qu'on a plein de petits talents là qui sont trop prêts à gouverner. Et Jean-Luc il est là aussi. Merci. De rien.